une coiffure qui est devenue sa propre signature. Si elle a marqué son passage au palais de l'Élysée par ses engagements, Bernadette Chirac l'a également fait avec son incontournable coupe de cheveux. Que ce soit au front row ou des plus grands défilés ou lors d'événements politiques, l'ancienne première dame a toujours arboré son brushing volumineux et parfaitement laqué. Une mise en beauté qui a été un signe de renouveau comme l'a révélé le documentaire La Revanche de Bernadette Chirac, diffusé ce dimanche 8 octobre sur France 5. Ne voulant plus vivre dans l'ombre de son mari Jacques Chirac et moderniser son image, elle a pu compter sur le talent de la coiffeuse artistique Charlie, en avril 1996. À cette époque-là, j'ai senti qu'elle était perdue. C'est comme si les choses avaient évolué autour d'elle mais qu'on l'avait laissée tomber et qu'elle se sentait, je ne sais pas si c'est le mot, mais qu'elle pouvait se sentir à la ramasse, a-t-elle expliqué face aux caméras. Dès lors, la coiffeuse des stars a souhaité lui venir en aide. Je me disais, je ne peux pas rester sans rien faire. Dès lors, Charlie a envoyé un message à Bernadette Chirac, comme on peut envoyer une bouteille à la mer. À sa grande surprise, l'ex-première dame a demandé à la voir. Lors de leur première rencontre, Bernadette Chirac est venue avec une photo d'elle et de son mari quand elle était jeune. C'est comme si, elle me demandait de revenir à cette période et ça m'a inspiré, s'est souvenu Charlie. Ni une, ni deux, la spécialiste a pris ses ciseaux. Il y a eu un travail de coupe et un gros travail de couleur qui a fait que l'allure était totalement différente. Une fois la mise en beauté terminée, Charlie a montré le résultat à Bernadette Chirac. Si cette dernière n'a pas dit un mot, la coiffeuse a décelé presque un soulagement dans ses yeux. La métamorphose avait eu lieu. Elle est arrivée effacée, elle est ressortie comme un boxeur, a-t-elle confié. Et de conclure, son attitude laissait sous-entendre, vous n'allez pas être déçu. Une nouvelle Bernadette Chirac, plus confiante, arrivait sur le devant de la scène politique. Supérieure à Bernadette Chirac, son évolution physique en imagée Bernadette Chirac, ses looks signés Karl Lagerfeld outre son brushing iconique, Bernadette Chirac a marqué ses années de première dame grâce à son style élégant et raffiné. Pour cela, elle a bénéficié du talent du regretté Karl Lagerfeld. À la tête de la maison Chanel, le couturier en a fait l'une de ses muses. Il tombe complètement amoureux de cette femme qu'il dit d'ailleurs superbe, impeccable. Il adore l'habiller alors qu'elle est à l'opposé de toutes les femmes qu'il a pu habiller autrement, a expliqué le journaliste Pierrick Jay au fil du documentaire. Dans les tailleurs en touille de Chanel, assorti à son indissociable sac à main, Bernadette Chirac a su imposer son style. Crédit photo, agence.